Et n'hésitez pas, hein, pendant que ce match commence, faites des dons pour le Téléthon, on est là pour ça. Bon, allez, on est déjà à 570 balles. N'hésitez pas à donner à fond. Si vous voulez voir Pep gagner dans ce magnifique BO5. Oui, loser final. J'espère qu'on n'assistera pas à la game de tout à l'heure. Non. Et pour l'instant, ça n'a pas l'air parti pour. Hop, on s'est mis sous Nintendogs en tout cas sur la musique. Ah, j'avais pas reconnu, tu vois. Là, je l'avais pas celle-là. Ah, les techniques, hein. Okay, c'est une règle. Alors, ça, c'est l'OST quand tu fais un bain à ton chien. Ok. Et le Doria. En tout cas, là pour l'instant, Hexagone nous cuisine quelque chose. Il nous fait pas un bain, mais il cuisine. Il cuisine bien. Cette première game. Le jab qui met trop cher, hein, il est contre la ledge, ça fait trop mal. C'est ça. Oh, le Doriake s'est tenté, mais malheureusement. Malheureusement, les 5,99€ auraient raison du Doria de cet honnête personnage qui est. Teramistra. Il ne tue pas, c'est vraiment. Pas malheureusement notre Albi, et on revient pas au set. Allez. Deux stocks partout. Allez, là, il faut. On a un post-match qui tire ce clip. Je comprends pas. Moi, pareil, je suis Team Blue là. ATM, on est Team Blue, on est là. On tente le Forader, on tente de finir la carrière de Clep, mais c'est compliqué. Hein. Là, oh, on va voir la phase d'avantage de Pyra. Hop, oh, bien. On n'a pas mis tant que ça finalement. On a bien DI. On a un très bon désavantage, hein, du côté de Jérôme. Mais. Oh, le spike! Le spike! Aïe, sur Clep, hein. Fin de carrière. Hop. Il s'est payé le croisé là sur cette action. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Et on trouve toujours ces situations avec Ganon. Oh, le shield a bien été mangé. Allez, on tente des choses, hein, du côté d'Hexagone, on tente bien de flash, on tente des trucs. Parce qu'on a l'ascendant, hein, sur Clep. Hein. Et cette bille qui a pas été tech, la dash attack. On prend déjà 79%. On aurait pu tenter le slash. Du coup, il l'a tenté, mais. Un type qui s'énerve parce qu'on lui apprend le perso. Le crawl. En attendant, on a. Il est temps de lui apprendre le perso, hein, mais c'est lui qui nous book les choses. Hop, on est off stage. On n'arrivera pas à concrétiser cette action off stage, hein, du côté de Clep. Malheureusement, on tente la dash attack. Et le Doria qui prendra cette stock. Et cette première game de cette couverture finale du côté d'Hexagone. Le roi d'Ouésien. Donc il y a des gens qui sont en train de s'engueuler dans ce match, dans le main stage. Navel, je me demande aussi qui le coach. J'ai quelque chose à dire, plutôt que de discuter dans le chat, essayez de vous combattre en faisant des dons. Celui qui fera le plus gros don à gagner. Voilà. Au lieu de faire de la insulte, faites des idons. Faites des idons, voilà, exactement. Pendant que la deuxième game est en train de commencer. Clep, Hexagone. On est resté sur la même. Béthune, Green Hill Zone, SBF, on est parti. Dash attack, on tech pas, on tech toujours pas, dash attack. Ah, Mir. On tente le jab, on tente le down smash comme ça en chill. C'est ça. Ah, c'est la force de Ganondorf, hein. Ça peut surprendre. Hein. Ouais. Hop, on prend le temps de revenir. C'est compliqué, hein. Là c'est plutôt dur. C'est compliqué de la part d'Hexagone, on n'arrive pas à trouver ses phases depuis tout à l'heure. Et puis le mur d'Xbox que je vous propose, Clep, et ça tue. Il est mort. Voilà. La clé penche est de retour. Hop, on a le foresight. Hop, voilà. Hop, il est en mode. Ça dit des choses. Hein. Il est en train de littéralement dribbler avec Hexagone, hein, Clep. Mais il se pense quand même ce tonnerre et ça. Ah, et la dash attack. Quand même. Cette vie, ça tue, c'est dehors. On peut poser des questions du match-up pour pas une match, hein. Ça c'est... Ah, on fait le nerf du mauvais sens malheureusement du côté d'Hexagone et ça ne touchera pas encore l'air d'Od. Ah, c'est mort, hein, du côté d'Hexagone, on ne revient pas. C'est là le problème. Ah, l'air d'Od, j'ai peut-être été un peu gourmand sur... Un peu gourmand, effectivement. C'est exactement ce que j'arrive. Mais là, on a un Clep qui maîtrise vachement plus les juggles face à Ganon.
Sachant du FNAF derrière. Ah, sachant du FNAF. Tu frites du passe-beur. Bref. Arrêtons ça. Faites bien du côté de Ganondorf pour couper court à cette phase de neutral. Lui, il veut pas de neutral. Lui, il veut que de la fracasse, la castagne. Il veut que du Dolia. Il veut reprendre le contrôle du terrain. On essaie de trouver des nerfs qui peuvent connecter sur des sur un autre nerf. Oh, le side B, ça c'est plus ça. Side B, Perry. Perry. C'est pas que je voulais dire. Mais... C'est Perry. Ah, effectivement, c'est pas trop la plage. Okay. Hop, le neutre à l'air, Pity. Dernière stock des deux côtés. Est-ce que Kleb va réussir à prendre une game à Hexagone? Non. Là, ça devient très serré. Ça devient très serré. C'est compliqué. Oh, on a tenté d'éteindre la carrière de Kleb du côté d'Hexagone, mais ça n'aura pas fonctionné. Le nerf, dash attack nerf. On tente de down smash, on tente des choses. On prend le neutre albi. Dash attack ne connecte pas, on prend le jab. Que va-t-il cuisiner? Qui trouve la stock, s'il te plaît, et cette deuxième game. Et voilà. En attendant, nous pouvons voir qu'il est bientôt 1h du matin. Les cernes des joueurs en parlent. Force à ceux. Pendant que tous mes proches sont en train de s'affoler dans le chat, enfin dans le chat. Dans mes messages, ils se demandent où je suis. De qui? Les gens de ma vie. Et moi je parlais avec ma copine. Ah ouais? Ma copine qui me dit t'es où? T'es où? Ah, je crois que les gens sont pour Clep hein, dans la salle. Effectivement, il est à domicile, il a l'habitude, mais ici c'est Douai. L'Hexagone, il est comme chez lui. Oh oh, est-ce que ça tue? Ah, malheureusement. Oh, il a mis jouté quelque chose là. On trouve le four radar dash attack. On ne tech toujours pas du côté de Clep. Hein, non. Pour Hexagone, c'est facile. On a la dash attack gratuite. C'est le Doria qui prendra encore, qui met à 85% Clep. Il faut trouver. Il faut trouver qui confirme avec Kira, c'est pour ça qu'on a switch sur elle. Oh, on a tenté. Oh, il a tech malheureusement, ça tue pas. C'est bon, s'en sort. Et là, Dash Attack. Dash Attack qui prend cette troisième stock. Hexagone qui a fait oui de la tête en mode c'est bon, Dash Attack. Ça tue. Il a envie d'aller prendre cette revanche contre Argonaut peut-être. Essayer de cuisiner plus avec sa Corinne. Exactement. Hop. On lui jette des choses. On manque de patience. Peut-être que sur cette dernière game, là, on gagne de patience, on se prend ce spike. Et déjà la dernière stock de Clep dans ce tournoi. Peut-être si. Ah là là, on tech pas. C'est... Je ne veux pas. Pour l'instant, Hexagone est à 2,18 de 2%. Oh, dommage, j'ai pas entendu. Et justement, c'est ça le problème avec Hexagone. Oh non! Ok. Merci. Ok, là on est reparti, on trouve des bonnes séquences sur le Top Cannon. On n'aura pas la dash attack, on aura le bon moment du côté de Clep. On tente de le faire, mais ça ne touchera pas malheureusement le neutral bee. On a offstage, on peut faire des choses offstage hein, sur ce Ganon, mais malheureusement. Ah non! On perd ce B. On aura reverse le B, mais Clef, il se sera bien défendu. Hein. Il aura bien appris. Mais malheureusement, il s'est fait avoir sur beaucoup trop de choses. Il s'est fait avoir sur les techs, il s'est fait avoir. Mais bravo à lui. Honnêtement, bravo à lui d'arriver en loser final, d'arriver à cette troisième place. Clef qui était 6-10.